Tiens, chose intéressante, en fait, en scrutant la carte, j'ai vu ce symbole rouge là, où il y a écrit requête du manoir du volcan. Donc déjà, premièrement, cet édifice là, il ne me semble pas l'avoir visité. Enfin bref, et surtout, ben, là, je peux envahir le monde d'Istvan, le vieux chevalier. Donc c'est pas du PVP, hein, c'est du PVE. Bah écoute, allons-y. Donc voilà, là j'ai survolé la carte et j'ai vu ce point rouge là. Ah oui, c'est vrai, j'ai moitié moins de fioles évidemment. C'est pas du PVP, mais... donné 2000 runes, hein. Donc ouais, c'était un truc du début, quoi. Donc évidemment, comme j'ai envahi son monde et que je l'ai battu, ça me donne un arc runique. Et voilà, j'ai looté son armure. Donc homme en écaille, armure en écaille, gantelet en écaille, jambière en écaille. On va voir ce que ça donne visuellement. Le vieux chevalier. En particulièrement résistant aux attaques non physiques. L'un des plus vieux sans éclat, encore en vie à ce jour. Istvan. Non, je suis toujours en fatrol. Et au niveau des stats. Ah, il a quand même plus d'équilibre que l'armure de la sentinelle, hein. Et que l'armure de Radahn, hein, quand même, hein. Avec une meilleure défense physique. Bah, elle est pas mal cette armure. Non, avec moins de défense physique. Non, non, je raconte de la merde. Non, non, mais qu'est-ce que je raconte? Non, mais j'ai lu à l'envers. J'ai lu à l'envers. Par contre, ouais, il a 27 en équilibre, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon ben voilà, j'étoffe, hein, mes sets d'armure stylées, j'ai envie de dire. Et là, c'était une zone du début du jeu, hein, donc c'est pour ça que là, ouais, c'était faible, hein, évidemment. Ouais, si, je me rappelle, je me rappelle. Je me rappelle, si, j'ai fait ça. En fait, il n'y a pas d'entrée ici. Justement, ça, c'est pour jouer en PvP, cet espace-là, en fait. Si, je m'en rappelle. Mais j'avais jamais fait attention au point rouge qu'il y avait sur la map.